Wesh, mais genre là, on est vraiment là jusqu'au 11 mai. Genre au début, ça devait être le 8, mais après ils ont fait « Ah non, bah non, le virus, il fait le pont !» C'est-à-dire, il est parisien, le virus, il a une maison de campagne en Normandie, comment... Il faut que j'arrête de regarder là et de faire semblant de parler à quelqu'un alors que je suis encore plus seul que Manuel Valls. Ça va être long. Ça va être long. Wesh la Confi Street, bien ou bien? Bienvenue dans les Confi Pop, l'info hip-hop remixée par un débile abonné et son voisin Brahim, qui fout rien, alors il intervient. Laisse tomber frère, je suis à deux doigts d'allumer le gaz en écoutant du Kenny Arcana. Ma vie, on dirait un film d'auteur français tout pété, des acteurs à cheveux longs qui boivent du vin dans des mugs Mickey sur des balcons. Ah merde, c'est con ça, parce qu'en plus t'as même pas de balcon. Allez, les Confi Pop, c'est parti. Ouais, mais c'est quoi ce bordel là? Mais il lui arrivait quoi, DJ Khaled? Le confinement, c'est chaud. Tu peux pas corriger ta gueule sur autotune. Je préfère vous le dire, les images que vous allez voir sont catastrophiques. Bruh. Non, le mec, il est carrément passé de Widabest à Mahmoud Etchebest. Mais il ressemble à rien, wesh. Je suis pas d'accord, Brahim, j'irai pas à rien. Je trouve qu'il ressemble à un daron qui a passé un mois à essayer d'expliquer à ses gosses qu'on n'a pas le droit de mettre deux fois la carte plus 4 au Uno. Mais ils en avaient rien à foutre. Alors après, il les a privés de jeux société. Et il s'est mis à leur faire l'école 52 heures par jour. Et là, il s'est rendu compte que lui-même était plus nul que son fils de 8 ans en maths. Et là, il s'est mis à boire, à trop bouffer, il est devenu moche, et donc sa femme a demandé le divorce. Et là, ben. Ah là, mon pote, ta pensée est partie trop loin sans attestation. On pense aux distances de sécurité. Reviens vers nous. Mais. Oui, j'en ai fait trop, mais je le sais. Pardon. Et sinon, info numéro 2, Kalash Criminel a sorti en story Insta son top 3 des rappeurs de la décennie. Pour lui, c'est Jules, Kaaris et Nekfeu. Y'a pas de débat. Quand il dit y a pas de débat, c'est parce qu'il connaît pas bien les réseaux sociaux. Hein. Parce qu'il y en a après des débats en général. Et toi, genre, c'est quoi ton top? Ah non, 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 faut pas faire de top, mon frère. Geste barrière, il faut toujours dire non. C'est comme quand un inconnu te propose de monter dans sa berline à vitre teintée parce qu'il y a des bonbons à l'arrière. Ah, ouais. Par contre, du coup, là, on sait pas si tu parles d'un pédophile ou d'un chauffeur Uber. Oh merde, j'avais jamais pensé à ça. Sinon, Booba a refait un épisode de prévention appelé Corona Time en live sur Insta. C'est dispo en replay. Cette fois, il a interviewé un membre du personnel soignant d'un hôpital dans le 93 et aussi Bernard Tapie. Pourquoi? Parce que... Pourquoi pas? Eh mais en vrai, il est chaud, Booba. Limite, on dirait qu'il fait un truc genre cache investigation. Genre, c'est Élise Lucet du Terre-Terre. Et les illusaires. Ah ouais, de ouf. Par contre, juste un truc. Tu sens qu'avec Bernard, ils ont eu un vrai moment ok boomer. Ça se voit. Parce que Nanar, il est pas en visio, il est pas en Insta Live. Non, il se filme en train de téléphoner à un interlocuteur. Et ça, ça c'est pas 2.0 ça, Nanar. Ton but, on dirait ma daronne quand elle essaie de m'appeler en FaceTime là. Ouais, parce que ma daronne, elle ressemble un peu à Bernard Tapie. Là. Info numéro 3. Bon, si tu sais pas quoi écouter pendant le confinement parce que tu es comme nous et tu as du temps, et que tu veux aussi soutenir les artistes indépendants français, et ben y en a plein qui sont bientôt disques d'or. Par exemple, il y a Joker avec Jock Travolta, Alpha One avec Une Main Lave l'Autre, ou sinon, le plus proche, c'est Landy avec Assabel. Petite question, est-ce que Landy veut pas faire un son qui s'appelle Bon avec un rappeur qui s'appellerait Vaux et un mec qui s'appelle Jean? Qu'est-ce que c'est que cette question encore? C'est parce que comme ça, sur YouTube, il y aurait marqué Landy, Vaux, Jean, Bon. C'est consternant, Brahim. J'ai envie de te ban. Pardon. Allez, salut. Move Radio, Hip Hop Nation.